Eh mais dites pas qu'il t'est passé quelque chose de bizarre. Attends, t'as quelqu'un d'autre. Oh non. T'es pas ce que vous croyez, ne pas être kivé, la douleur va être pire. Non, Botou, non. Sato, viens ici tout de suite. Pourquoi, c'est ta meuf? Allô. Ouais, Brahim, ça va ou quoi? Ça va ou quoi, mon pote? Ouais, ça raconte quoi? Je suis en train de danser au milieu de la route, là. Ouais, comment ça tu danses au milieu de la route? Ouais, j'attends quelqu'un, je me faisais chier, je me pensais. T'attends quelqu'un, comment ça? J'attends des... Des meufs? Je sais pas si tu connais Joe. J'arrive. Ouais. Hein? Non, mais pas, non. Qui ça? Non, Joe, tu connais Joe ou quoi? C'est qui Joe, wesh? Joe Butcher, le patron. Le patron de la pêche. C'est hasard. Non, c'est... vas-y, c'est qui? Des riches, ce bâtard. Sérieux? Vas-y, vas-y, ouais, j'arrive. Envoie-moi ta position, j'arrive. Vas-y, dès que je suis avec lui, je t'envoie. Non, mais là, tu me l'envoies. Là, tout de suite? Là, vas-y, vas-y, je t'envoie. Vas-y, tout de suite. Eh, franchement, combien sur 20? Combien sur 20 la voiture? Elle est éclatée, sa mère. Monte, mon frère. Vas-y, monte. Astaghfirullah, j'ai failli mourir. Oh là là. Ah, monte, là, Khoya, là. Ça va ou quoi, Khoya? Ça va ou quoi? Waouh, t'es devenu beau gosse. Ouais, t'as vu, j'ai de l'argent, je suis devenu riche, moi, Khoya. Mais non. Eh ouais, Khoya. T'as pris des pecs, j'ai l'impression. Ouais, un petit peu, Khoya. Eh, je te braque avec mon doigt là. Tu travailles pour la police ou pas? C'est bon. Dis, Wallah, travaille pas pour la police. Non, Wallah, je travaille pas pour la police. Travaille pour qui alors, Khoya? Pourquoi on m'a dit que t'avais Poucaf, Khoya, à la police? Ah, ça bégaye, hein, ça parle chinois, hein. Non, non, mais pas. Pourquoi t'as Poucaf? Pourquoi t'as Poucaf? Mathieu, je veux pas te parler chinois. Écoute, la vérité, je vais te mettre mon doigt dans la glotte. Dépêche-toi, Khoya, vas-y, dépêche-toi. Dépêche-toi, Khoya, pourquoi t'as Poucaf? Vas-y, dis la vérité. Ça y est, mon sandwich était pas bon aussi. J'étais obligé de Poucaf. Wesh, Khoya, t'es tombé dans mon piège, t'es con ou quoi? T'es une vraie Poucaf en fait? Voilà, ça me dit. Oh, non, j'ai juste porté plainte pour quelque chose. Quoi? Bon, allez, hop, c'est parti, ça part de là. Non. C'est quoi, Wallah? T'sais, Khoya, j'étais de bonne humeur aujourd'hui, Wallah, j'étais de bonne humeur. Oh, tu m'as zerf. Ça y est. Oh, ça y est, tu m'as zerf. Vas-y, descends, Khoya, descends. Oh la vache. Oh là, je vais t'allumer, Khoya. Mathieu, je rigole. Oh, je vais t'allumer, Khoya. Pourquoi t'as porté plainte, Khoya? Oh non, mais. Et depuis que c'est plus toi, tu cuisines, les chicken, c'est de la merde. Les chicken, les fiches, c'est de la merde. Vas-y, ça marche. T'es armé ou pas? Ouais, je peux. Je sais pas sur moi, mais j'ai un Beretta. T'as quoi? J'ai un Beretta. T'es sérieux, t'as un Beretta? J'ai une AK 47. Wesh. Pourquoi tu fais? C'est quoi ça? J'ai pas fait exprès la vie de ma mère. Putain, ma voiture! Brain? Ma voiture que je viens de voler en plus! C'est ta foutue que je viens de voler. Ça va ou quoi? On est là, mais mon taureau s'est glissé un peu. C'est toi, Bûcher! Bûcher, ouais, c'est ça, Bûcher. C'est toi? Ah, vas-y, ça va ou quoi, Khoya? Ça va et toi? On m'a dit que t'avais une oseille des fous. Ah, voilà mon gars, ouais, c'est un tranquille. Venez à 3, vous êtes en train de vous emballer. En bleu sang. En bleu sang. Vas-y, c'est bon. Oh là là. Qu'est-ce que c'est que ça? On avait manqué, les gars, wesh. Ouais, des fous. Ils sont bizarres. Bon, on parle business ou pas là? Vas-y. Bûcher, tu m'as ramené le tank ou pas? Ouais. Ah bon? Ok, super, ban. Ah ouais, ça c'est un tank ça. Ah non, il est dans la maladie. Tu travailles dans le poisson, c'est ça? Moi je suis patron, moi. Patron de la poissonnerie? C'est ça. Ah oh, ouais, c'est stylé ça. Et Ibrahim, tu veux travailler là-bas? Ah, moi je travaille déjà là-bas. T'es sérieux? Il travaille, mais il travaille pas vraiment. Entre deux braquages, quoi. Tu mens, la vérité, j'ai vrai travail. Entre deux braquages, Khoya, tu pêches, quoi. Ouais, je pêche, t'as vu? Vas-y, ça marche. Eh, pourquoi vous voulez vous voir? Wow! Non, mais là, nous rentrons ensemble. Ah, juste vous traînez ensemble. Ah ouais, tu traînes avec ton patron, toi. Ah ouais, normal, j'amasse ton shrab. Parce qu'avant d'être son patron, je suis son pote. Ah, mais attends, mais du coup, c'est quoi le bail? J'avoue, c'est quoi le bail, en fait? Parce que moi, ouais, on m'a dit, oui, moi, je suis posé au calme et tout. C'est quoi le bail? Parce que là, on est dans une rue. C'est qui lui? C'est quoi le bail? C'est l'animal. L'animal, comme ça, l'animal. Dring, c'est l'animal. Retourne-toi et je te prends un anal. Wesh, t'as fait, tu sortais du zoo, Khoya, ou quoi? Même pas. Pourquoi on t'appelle l'animal, vas-y? Franchement, Ben, je sais pas, c'est moi. Comme ça, du jour au lendemain, ra, l'animal. Non, mais il y avait une raison, Khoya. T'es carnivore, tu soulèves des darons, qu'est-ce qui se passe? T'es agressif, au lit? Je suis agressif. T'es un mec agressif avec les meufs, non? Point, agressif, point. Agressif. Pas qu'avec les meufs. Point. Pas qu'avec les meufs, tout le monde. Agressif. Ouais, la dernière fois, si je te raconte, tu vois. Enfin, ouais. Vas-y, raconte. C'est un gros coup de cheval là. Le chinois, il s'est permis de rentrer dans ma voiture. Vas-y, raconte, tu prends la confiance. Vas-y, raconte. Vas-y, raconte. T'es un chinois, frère, c'est bon, faut pas le malin. Vas-y, dis-moi. Bah, la dernière fois, on était dans la douche. C'est sur Zoop en plus la photo. C'est sur Zoop. Je me suis tranquillement et là, d'un coup, je me penche pour prendre le savon. C'est moi qui ai posté. Quel jour? Hier. Qui ai posté Medjo. Hier. Ah ah.
Oui, quand même. Il me tapait les fesses, je te jure que c'était agressif. Hein. Brian, tu traînes avec des gens comme ça. Brian, avec des orientations, regarde, désorientés, regarde. C'était pas tu prenais du plaisir quand même, ZDR. Pour que c'est l'Africa, c'est quoi le programme ce soir, patron? Tu travailles pas? Je travaille jamais. Ah, mais t'as raison, c'est le bon plan. Voilà. Et les Chinois, tu travailles dans quoi, toi? Oh, je travaille dans. Je suis comptable de la pêcherie. Ok, ok. Non, et l'animal, il travaille dans quoi? Moi, c'est flika, flika, flika et flika. Ah ouais, toi, t'es drogué. Ah là, c'est duo flika. Ah ouais. Et Brahim, du coup, toi? Voilà, bah pas. Moi, c'est Fleka, et quand je me fais chier, pêcherie. Et les meufs, Brahim, t'as oublié les meufs? Les meufs, la vérité, il y a une fille qui voulait me donner son numéro. Je cherche une femme. Qui voulait me donner son numéro? T'en es encore à l'étape 1, Roya. Mais bon. Putain. Moi, je veux bien une policière, je sais pas, j'ai rien contre la police. Je veux bien avoir une policière comme moi. Vas-y, les mecs, il y a un truc à faire. On se tient au courant, les mecs, hein. On se connaît pas, mais on se tient au courant, c'est bon? Ouais, on se tient au jeu, vas-y. Vas-y, Brahim, c'est mon numéro, de toute façon. Bah bien sûr, j'ai ton numéro. Vas-y, Roya. Vas-y. Traîne pas avec des mecs comme ça, ils font des trucs chelous, là. Toi, t'as un truc derrière, tu blagues pas. Tu parles de qui? Tu parles de qui? Moi, c'est. Ah, moi, un banzo. Non, Roya, c'est moi, ça va quoi? Attends, tu parlais comment là à l'instant? Rien, oui, je t'arrive quoi? Non, il est pas là. Ah, je pensais que tu nous imitais avec un accent dégueulasse, mais bon. N'importe quoi, d'où je fais ça? Ouais, surtout quoi. Sauf que là, tu parles en chinois, tu parles pas en japonais, enculé. Eh ouais, ça va quoi? Ouais, ça va et toi? Alhamdoulilah. Alors, t'as fait la mission ou pas? Écoute. Justement, je préfère que tu assistes en direct à la première loge, non? Qu'est-ce que t'en penses? Vas-y, je suis chaud. Écoute, je te rappelle au moment où il faudra te rendre devant le restaurant. C'est quel restaurant? Je connais pas, moi. T'inquiète, je t'enverrai une position et tu verras. Oh, ok, ça marche. Prépare les popcorn, ok? Ça marche. À tout à l'heure, en baison. Ouais, vas-y. Wesh, mon pote, arrête de te gratter les couilles. Non, mais on peut plus rien faire, en fait, c'est incroyable. Mais Wallah, tu te grattes les couilles, c'est grave. J'essaye de calculer mes réparations. Putain. On peut rien faire. Non, mais c'est grave, Wallah, c'est grave. Est-ce que vous faites à nouveau un petit café, 4 sucres avec un peu de miel? Oh non, t'inquiète, pas besoin de café, Roya. Ça marche, c'est juste une réparation? Ouais, c'est ça, ouais. Heureusement, parce que je suis pas encore diplômé pour faire les modifications. Cher, ouais, tant mieux. Hop, cher en plus, d'accord. T'appelles comment? On m'appelle Dédé la Rafale. Hein? Ouais, on m'appelle David, mais on m'appelle Dédé la Rafale. David, t'es juif? Non. Putain. Je suis mexicain. Tu vas pas réussir, Roya, moi je te le dis direct. Hein. faut avoir le bras long, Roya. C'est raciste ça, non? Mais quel racisme? Mais n'importe quoi, Roya, ouais, j'arrête de dire pas, racisme. Je m'y connais pas trop en géographie. Donc. Mais ouais, rappelez-vous bien, Dédé la Rafale. Dédé la Rafale, t'as un flingue, t'as quelque chose, tu rafales quoi? Wesh, mon boy! Voilà. Ça va quoi? Ah, tranquille, toi. Ça taffe pas, hein? Là, on vient de m'éclater ma caisse. Putain, tu travailles au Burger Shot, toi? Bah ouais. Voilà, ça taffe bien. Voilà, psahtek, hein? Ouais, t'as vu ça? Ah ouais, des fous. Vas-y, on va travailler après, hein? Excusez-moi de vous déranger. Bien sûr, monsieur Dédé la Rafale, faites-moi la facture avec le plus grand des plaisirs. Et pas de soucis, merci à vous aussi. Horrible. Bonsoir, madame. C'est toi qui es horrible avec ta tête, là. Pourquoi tu parles mal de ma voiture? Circule. Comment ça circule? Comment ça circule? Comment ça circule? Eh, il y a 2 minutes, t'étais en train de faire un coma éthylique là dans le garage là. Ah, t'es une victime. Non. Fais gaffe. Qui t'a agressé? Gros, c'est moi qui gère tout. Tu vois le four ici, c'est moi qui le gère à côté. Fais gaffe. Monte dans la voiture. Quoi? Monte. J'aime bien les grandes bouches comme ça là, viens. Bah... Ça aura pas la suite. C'est pour une réparation, c'est ça? Un dernier mot peut-être à tes amis? Ah, ouais. Dernier mot. Ils sont pas là encore, mais tu veux, attends, ils arrivent. Ouais, t'inquiète, on va rigoler un petit peu là. C'est quoi ton nom? Moi, je m'appelle Noah. Noah comment? Steven. Hein? Noah Steven. Ouais. Roya, c'est quoi? C'est un cocktail? C'est quoi ce délire? Je sais pas. Franchement, je sais pas trop. Demande à mes parents. T'es né ici? Non, je suis pas né ici. Ok, vas-y, monte-moi le four, il est où le four? Le four? Attends, je vais te montrer. Je te braque plus. Ok. Là, je te braque. Là, je te braque plus. C'est bon, attends, voilà. Si tu peux montrer, ça y est, je vais te le montrer. Vas-y, tu m'as montré le four là? Vas-y, on va aller voir le four. Hein. C'est un four quoi? Micro-ondes ou bien? Non, c'est des fours pour le pain, là, pour. Bah, c'est au Burger Shot quoi. Et c'est un four quand même? Écoute, là je te braque avec mon doigt, d'accord? Là je te mets dans le nez, là, d'accord? T'as capté ou pas? C'est moi le petit du Burger Shot, d'accord? Quel four? De quoi tu parles? Mais je parle de four. Je fais des crises d'espace mon filet, Roya, m'énerve pas, fais attention, Roya. Ok, pardon. Attendez, mais il y a une supra de malade là, excusez-moi, putain. Bonsoir. Bah attends, mais. Non, mais attends. Non, mais me dis pas. Non, mais me dis pas que. Bah j'ai l'impression que c'est. Baby Driver? Bah alors, comment tu vas? Mais comment tu vas, le Khenez? Arrête de faire le malin parce comment que tu vas kiffer là. Putain, passe-moi ton numéro.
Je te passe mon 09, dis-moi où est-ce que t'as eu cette voiture de fou, espèce de malade, va. Roya, t'inquiète même pas, F-L-E-E-C-A. F-F-L-E-E-C-A ? F-L-E-E-C-A, motus. Je crie que t'es en train de me donner ton code wifi là, je fais téléphone. Roya, c'est quoi ton numéro ? C'est le 38-97-09 ! Répète ! C'est le 38 par Grenoble, 97 l'année des 100 battus, 09 comme l'album de Booba. C'est bon, tu peux circuler. Allez, bisous. Circule, voilà. Et parle bien toi, on va te filer des claquounettes dans ton front là, tu vas dormir pendant 2 heures. Attends, mais je le connais pas ce mec là. Viens, on fait ça maintenant. Vas-y, viens. Non, arrête. Mais attends, je t'ai fait quoi? Je t'ai refait? Bah justement, rien, Roya. Mais depuis tout à l'heure, bah oui, mais depuis tout à l'heure en fait, rien du tout. T'es là, tu sers à rien, Roya. Ok. Tu sers à rien. Bah alors dis-moi, tu fais quoi dans la vie, Roya? Bon. Bah oui, toi. Moi, bah écoute, moi je suis actuellement au chômage. Là, je suis en cacahuète. Je suis du chômage. Ouais, je cherche une boîte à terrible. Allez, mec, mets-tu des claques de chômeur, c'est un chômeur. Allô? Ouais. Attends, raccroche là. Raccroche le téléphone. Raccroche. Parce qu'il a la hagra. Bon, arrêtez, wesh, les mecs. What's your name, man? What's your name? Je m'appelle Noah. Pourquoi tu travailles pas à l'arche de Noah là? Je vais te casser la gueule, moi. Quoi? Pourquoi? Vas-y les mecs, faites-en bon usage. Non, arrêtez, les mecs, Le Jaguar, tu connais lui? Je le connais pas, Roya. Mais non, okay, je le connais pas, moi. On va faire des affaires impersonnelles. Par contre, les mecs, il a dit comme quoi c'était lui le meilleur driver de la ville, je dis ça, je dis rien. Allez, hop, allez, c'est la force. Alors, toi, tu vas... Skin. Skin, la hagra. Attends. Je rêve où il y a une voiture plus belle que la mienne sur le parking. Oh là que ça va pas se passer comme ça, wesh. T'es malade toi, wesh. Déjà, c'est ma place, ça, déjà. Voilà. Salut. Salut. Comment tu vas? Ça va la forme et toi? Ça va super, écoute. Oh, on est là, hein. Ça fait plaisir, hein, de voir quelqu'un. C'est ta voiture, là? Ouais, c'est la mienne. Comment même. Elle pète sa mère. Merci. Incroyable. C'est quel modèle? C'est une Penumbra. C'est la classique. Ah ouais, tu l'as payé combien? Je l'ai payé 11 000. Oh ça va, je pensais que ça coûtait beaucoup plus cher que ça en vrai. Écoute, hein, je l'ai payé 11 000 sur le bon angle. Elle était toute verte. Ah merde, oh, c'est dégueulasse. Oh putain, c'était... ils ont abusé. Et là c'est tout refait. Et t'as fait toutes les modifs dessus ou pas? Bah j'ai fait que l'esthétique parce que sinon les performances moteurs étaient à fond, tu vois. Ah oui, d'accord, le mec avait déjà vendu le truc, ok. Voilà, okay, il avait déjà tout fait au niveau du moteur. Ok. Mais après, sinon, c'était l'esthétique que je voulais refaire. Okay. C'est quoi ton prénom, s'il te plaît? C'est Curtis. Tu sais qui je suis ou pas? Non. Je suis le PDG du Burger Shop, je suis Mathieu Rennes. D'accord, ben enchanté. Ouais. Bon, enchanté, je t'en prie. Écoute, est-ce que je peux te demander un service, s'il te plaît? Tu vois, je suis habillé beau gosse, tu vois, et j'ai pas envie de me salir. Mm-hmm. Est-ce que tu peux juste me préparer juste deux menus, s'il te plaît, Big Burger, un truc comme ça? Vas-y. Je t'attends ici, Roya. Vas-y, tu gères, t'es le meilleur, Roya. Zama, lui, viens, et il se la raconte avec sa voiture et tout. Putain, baiser, tu sais ou quoi? Tiens. Ah, tu gères. Merci beaucoup, Roya. Ah, y'a pas de soucis. Vas-y, facture-moi, Roya. Non, c'est pas ça. Non, mais de toute façon, ça va dans la caisse, donc on s'en fout, ça va dans le coffre. Bon, vas-y alors. Ça fait combien de temps que tu travailles ici? Ça va faire au moins 2 semaines. 2 semaines? Ok. Ouais. Là, je vais prendre mon service, comme ça, jamais t'es pas là ou t'es occupé, au moins je suis là, moi. Ouais, non, mais là, ça va, je pars pas encore. Vas-y. C'est quoi tes projets là? Tu comptes faire quoi après le Burger Shot? Genre, tu comptes rester toute ta vie ici ou bien? Alors, pour le moment, travailler un bon moment ici. Ouais. Et après, pourquoi pas découvrir d'autres horizons, quoi. Ah ouais, je vois. T'es célibataire, t'es quoi? Ouais, totalement célibataire. 100%? 100%. Ok. Et t'aimes les mecs, t'aimes les femmes, t'aimes quoi? Tu me dis, femmes, hein, ça dépend, femmes. J'ai des trucs en stock des fois qui traînent. Non, ça va, ça. Comment ça viendra, ça va t'es ça viendra comme ça. T'es pisseau? Bah, ça te regarde pas, ça. T'es pisseau? Non, ça te regarde pas. Dis-le, ouais, t'es pisseau. Ça te regarde pas? Ouais, comment ça me regarde pas? Ah non, ça te regarde pas. À quoi t'écoutes, Roya? C'est ma vie privée. Oui, bah justement. À droite, à gauche, y'a personne, Roya, donc tu peux. T'inquiète. Ouais, mais devant moi, y'a quelqu'un. Bah, ah. 50$. Non, vas-y, 100$ et je te donne. Et tu me donnes la réponse. Bah, rien du tout. 2000$. J'échange pas ma vie privée. 2000$. Non. 4000$. Non. 10000$. Non plus. Ma voiture? Non plus. 4 nouveaux pneus. Non. Quoi? Ok, bon, dommage. Hein. Pourquoi des nouveaux pneus? Je vais prendre mon service, Roya. Franchement, Psartek, Roya, j'aime bien. Moi, j'aime pas ça. Mais de quoi tu parles, là? Ta voiture est stylée, wesh. Non, là, regarde les pneus. Mais putain! J'aimerais bien savoir qui c'est qui a fait mes pneus, quoi. Bah, Roya, il y a du vrai. Bon, Brahim, tu avoues ou pas?
Bon, j'avoue, excuse. C'est toi les pneus, c'est toi les pneus. Putain, Brahim, oula, t'abuses. T'aimes pas ce que tu lui as fait, frère. Je t'ai dit que c'est pas lui. C'est un mec qui lui ressemble, tu vois. C'est un mec qui lui ressemble, mais c'est pas lui. Vas-y, excuse-toi, croyant. Ouais. Non, vas-y, paye-le, paye-le. Non, vas-y, paye-le. Le Beniz. Donne-lui 50 balles ou 100 balles, un truc comme ça. Vas-y, vas-y, tiens. Oula, t'abuses, Brahim, oula, t'abuses. T'es un gamin dans ta tête, oula, t'es un gamin. Vas-y, Curtis, on est ensemble. Moi, hein. Vas-y. Wesh, l'animal. Ça ronronne, ça ronronne ou pas, Roya? Est-ce que ça ronronne? Est-ce que ça ronronne, Roya? Ça ronronne. Ça ronronne. Ça ronronne. Eh ouais, mon pote. Non, non, arrêtez, arrêtez. Pas la guerre, pas la guerre. J'adore, fais-moi, fais pas la guerre. Fume-le. Wesh, arrêtez, arrêtez. Non, mais Boris, wesh, t'es ça. Putain, hey, j'étais qu'à 50% en plus. Ça ronronne, ça ronronne. J'étais qu'à 50%. Ça va ou pas, croyant? Ça dit quoi? Ça allait bien. Boris, parle pas avec lui, parle pas avec lui. Eh, il m'a ramené avec 4 mecs, ils ont voulu me soulever. Au final, ils m'ont donné des sous. Et c'est moi, je les ai soulevés. Jure, comment t'as fait? Je sais pas, je leur ai dit deux mots. J'aurais dit ma confession religieuse, ils m'ont donné de l'argent. Oh t'as un bâtard. T'as dit que t'étais juif. Oh le bâtard. Elle est où ton équipe? T'es vraiment juif? Ouais. Enlève, vas-y, monte ton sgeg pour voir. Frérot, attends, tu veux, dans mon congélateur, il y a mon prépuce, tu veux que je te le montre? Vas-y, va le chercher. Allo. C'est un peu loin là, bah attends. Je vais mettre un cucu agris. Non, un cucu hnin, je vais mettre un cucu hnin. Regarde-moi ce prépuce. Oh là là, frère, tu me dégoûtes. T'es moi comment il est bien dur. Tu me dégoûtes. Arrête. Croyant, tu m'as ramené un M, croyant, de quoi tu parles? On a ramené un rouleau de printemps, croyant. Attends, t'es en train de juger comment Dieu m'a créé là? Mais non, comment il a créé ton sgeg, oui, mais pas toi. Ouais, mais moi j'ai parti de moi. C'est grave. Attends, mais Roya, pourquoi t'as gardé ton prépuce? Tu vas faire une salade avec ou quoi? Non, c'est zoné, tu vas faire quoi avec? C'est ma daronne qui l'a gardé, frère. Ah ouais, quoi? Vous faites des bails bizarres, vous là. Putain, c'est pareil, elle est trop... Non, elle est trop aimante, elle m'aime trop. Du coup, bah. Et t'as de l'argent? Bah, moi j'ai pas d'argent parce que mon daron, voilà, c'est un crevard. Voilà, parle pas avec moi, Roya, t'es pas juif. T'as dit quoi, des mecs? Ouais, Djibril. Ouais. Refais ça, tu repars en caddie. On refait quoi? Ouais, je t'ai cru, on était dans Tokyo Drift, trop loin, quoi. Bah ouais. Mais c'est incroyable, c'est un burger shop, trop bien, wesh. T'as cru, on était où, wesh? T'es un mal, on est pas en Algérie, Roya. Calme-toi. C'est quoi? Bien sûr, c'est moi le PDG, Roya. Pourquoi tu rigoles? Viens. Eh, y'a besoin de info. Vas-y, je te montre. Tu vois, là, c'est mon terre-terre, Roya. Là, c'est mon bureau, calme. Bon, tu veux quoi? Je sais pas, y'a un mec, il a les pneus crevés là. J'ai mis une paire de pneus dans mon coffre et du coup, je suis venu changer ses pneus. Ah ouais, non, mais toi, t'es l'agence touriste, croyant ou quoi? Ah ouais, en plus, la livraison. Bien, c'est les Japonais, c'est fils des pites là, qui l'ont crevé les pneus, c'est sa voiture là. Ah le shaitan. Eh ouais, celle-là là. Oh là là. Ils lui ont fait un menu B12, croyant. Putain, une dinguerie. Oh, c'est grave, voilà. Je vais aller voir là, je vais les baiser ce soir, t'as un mot à leur dire ou pas? Passe le CLM à Boussou. On l'appelle Kung Fu Panda dans le milieu. Tu me dis Kung Fu Panda, il va se reconnaître. Vas-y. Ouais, ça veut graille. Eh ouais. Hop là, ça veut graille quoi, monsieur? C'est possible d'avoir 5 menus burgers, s'il vous plaît. Wouah, c'est trop. Oh là, c'est trop. Trop 5. Ouais, prends-en un, non? Teste déjà. Ça se trouve, c'est un de la merde. Je vais faire quoi avec un? Curtis? Ouais. T'es d'accord que le client, il est roi ici, hein? Ouais, bah ça dépend. Ouais, bah non, mais c'est la base. Le client, il dit genre, mais s'il veut quelque chose, tu lui donnes, on est d'accord. Ouais, bien sûr. Voilà. Mais... Il y a un client là, il voulait savoir si t'étais puceau. Ouais, je fais passer de tête d'enterrement, Roya, c'est pas grave, je t'ai ramené une meuf. Dis les termes. Non. Ce soir, si t'es puceau, je te ramène à l'unicorne, c'est bon? Non, j'ai pas besoin de toi, t'inquiète. Ah, Zermatt a des contacts, c'est ça? Ah, je parlerai pas. Ah ouais, donc t'es pas puceau alors. Tu vois, je t'ai grillé, t'es tombé dans mon piège. Ah, j'ai pas dit que c'était puceau. Ah, double piège, en fait, t'es puceau, tu vois? Ouais. Ça va ou quoi? Ça va et toi, mec? Tranquille, tu t'appelles comment? Mousse. Eh, Mousse, s'il te plaît, regarde Curtis, s'il te plaît. Ouais. Et sors ton détecteur de puceau et dis-moi s'il est puceau. Non, mais y a pas besoin, je le sais, moi. Il est puceau? Bien sûr. Cher, allez, c'est bon. Voilà. Fin de l'enquête. Eh, t'as vu ce que j'ai mis comme cucu ou pas? Non, j'ai pas vu. Je te mets au défi de mettre un cucu encore plus énervé que ça. Je te passe 500$ si t'arrives. Ouais, mais si je fais plus énervé que le tien, je vais être viré. Mais c'est moi le PDG, frère. Mais la responsable, tout ça, tu connais. Roya, je suis au-dessus de la responsable. On pas les couilles de la responsable, t'es sérieux? C'est les gérants de la concu. Il y a plein de concu, Roya, il y a plein de restaurants. Il y a les Christian Fix, ces fils des putes, ils nous ont menacé de mort, Roya. Ouais, bah tu sais qui c'est, eux. Bien sûr, c'est Kamasutra. Ah ouais, c'est potentiellement une mafia, mon pote. Je les baise, moi. Mafia de quoi? Mafia de quoi, wesh? Mafia de quoi? C'est italien, je crois. Mafia italienne? Vas-y, je vais leur parler, j'arrive.
Ok. Vas-y, bon courage. T'as mis un cuicui ou pas? Non, je t'avoue. Mets un cuicui. $500, c'est pas travail. C'est pas cher payé, quoi. Regarde, mets un cuicui. Je te le demande, wesh. Je suis ton patron. Vas-y, je vais mettre un cuicui. Ah, je crois que c'est lui le puceau en vérité. Je vais leur mettre un dernier coup de pression, tu vois, pour savoir si c'est vraiment eux qui vont menacer ou pas. Bonsoir, messieurs. Comment allez-vous? Bonsoir. Ça va, ouais. Ça va. Je peux parler à un responsable, s'il vous plaît? Alors, attendez, j'essaie d'appeler, voir s'il est là, ouais. Merci. Là, de suite, il n'y en a pas. Mais il va... Ouais. On va essayer d'en contacter un, hein. Ne vous inquiétez pas. Ouais, ça marche, tranquille. Hein. C'est Mathieu, ça? Ouais, c'est ça, c'est moi, ouais. C'était par rapport au... ce que vous organisez, là. Course? Ouais, c'est ça, voilà. Je voulais voir les derniers détails avec... Je sais plus Michael. Il y avait Michael et il y avait... il y avait Grégoire. C'est toi qui t'en occupe des courses, attends, non? Oui, c'est moi, Michael. Voilà, parfait. Attends. Et Grégoire. Oui, Grégoire, j'essaie de le contacter, monsieur, mais... Patron du crucial, ça. Et Michael, t'es quoi, toi? Je suis le directeur des courses. Directeur des courses? Bah, on peut discuter? Bien. Vas-y, bah, on va rentrer tranquillement, là. Je l'ai prévenu. Vous installez bien, ça. Bon, bah, vous voulez, hein. Vous avez le choix. Vous avez pas un bureau, honnêtement? Bah, on a une arrière-salle, mais elle est pas très convenable, hein. Bah ben ouais, c'est ça le truc. Mais faut qu'on soumette ça à l'immobilier là. Bah moi j'ai un bureau, viens au pire, viens avec moi. Pas loin? Bah au Burger Shot quoi, juste à côté, c'est pas très long en voiture. Ouais, d'accord. Ouais, Curtis t'es un bon. Bah ça je sais. Ouais, calme-toi, arrête de gonfler comme ça. Oublie pas tes puceaux. Non. Ah, tu vois? Tu craches le morceau maintenant. Peut-être oui, peut-être non. Arrête de faire le mec mystérieux quand même, tu fais des burgers, ouais, je te rappelle. Hein. Allez-y, monsieur, suivez-moi. Bienvenue dans mon humble demeure. Du coup... On vous écoute. Est-ce que vous connaissez, comment elle s'appelle? Carmela Diaz, ma responsable. Oui. Vous la connaissez comment? On l'a vu deux, trois fois. Vous la connaissez à quel titre? Ami, associé, Non, rien du tout. Petite hein. Amie. Rien du tout. On est juste venu la voir deux, trois fois concernant certains incidents. Voilà, professionnellement. C'est-à-dire? Quel incident? Alors attendez que je réfléchisse. Parce que je vais vous dire un truc. Hein. Moi je vais vous dire parce que vous avez menacé Hamid. Je remets cette histoire sur le tapis. Hein, parce que peut-être la dernière fois, peut-être qu'il était devant vous, vous avez pas osé le dire. Mais vous l'avez menacé de mort. Ça, c'est des trucs que j'aime pas, ça. On menace pas des employés, encore moins des amis. Merde d'avoir menacé qui que ce soit. Bah attendez, donc Carmela Diaz, ma responsable, elle vient, elle me dit comme quoi Kamastra a menacé Hamid. Donc elle a imaginé de ça. Donc Carmela, c'est une menteuse, c'est ça? Ah non, j'ai pas dit ça, mais. C'est quoi alors? Simplement, moi je me rappelle pas avoir menacé qui que ce soit. Bah peut-être pas vous, peut-être quelqu'un d'autre parmi vous, je sais pas moi. Ça m'étonnerait, mais... Comment ça t'étonnerait? Mais quand on fait des menaces quand même, on s'en souvient normalement, non? Oui, normalement, oui. Enfin, et comment ça se fait que là... Parce que je suis pas au courant du tout, donc... Et d'accord. Ouais, je vais pas inventer, hein. Et les deux autres, vous êtes au courant ou pas? Moi j'ai jamais entendu parler de cette histoire, hein. Je viens de temps en temps prendre mon burger... Burger Shot, c'est tout, pas puissant. Bah moi, on m'a dit comme quoi, vous avez menacé Hamid. Mot pour mot, vous lui avez dit que s'il continue à faire ses conneries, il allait cesser de respirer. Donc, c'est pas des mots qui ont été inventés, on est d'accord. C'est des phrases qui ont été prononcées. Bien sûr. Et quand on prend des mots, il faut les assimiler. Donc moi, j'ai envie que vous me répétiez ces phrases en face de moi. Je comprends pas bien là, votre démarche. Comment ça, tu comprends pas? Attends, on menace... Qu'est-ce que vous cherchez exactement? Moi, ce que je cherche, c'est qu'on me dise la vérité. Moi, on me rapporte des faits, je veux savoir la vérité. Et j'ai l'impression que vous n'êtes pas honnête avec moi, c'est tout. Bon, je vais vous le dire une dernière fois, j'étais pas au courant de ces agissements-là, donc je vais pas, comme je vous dis, je vais pas inventer. D'accord, donc Carmela, elle a inventé ça. Ok, je vais l'appeler alors, attendez. Non, mais on dit pas le contraire, monsieur, mais en gros, nous, on n'est pas au courant qu'il y a un vous mec... Attends, vous êtes Kamastra ou vous êtes pas Kamastra? Je suis pas Kamastra, non. Ok, et vous deux, là, vous êtes de la famille Kamastra? Oui. Bon bah voilà, fin de l'histoire. Carmela, elle m'a dit qu'en quoi Kamastra avait prononcé ces mots-là. Donc après, si vous arrivez pas à gérer ce que dit l'un ou l'autre, après vous assumez entre vous. J'appelle Carmela. Il casse les couilles, y a pas à assumer, ça me saoule. Elle répond pas, elle est pas là. Ok, donc vous me dites que vous êtes pas au courant. Ok, ça marche. Et si jamais c'est le cas, moi j'aime pas des trucs comme ça. Bon, on menace pas mes employés si vous dites, et... J'en parlerai, mais... Ce que je trouve bizarre aussi, c'est que vous avez menacé mes employés, et puis d'un côté, vous m'invitez à vos événements de course, etc. Ça, je comprends pas aussi. C'est quelque chose qui m'échappe de la logique, quoi. On a menacé vos employés? Bah oui, Hamid, c'est un employé. Oui, enfin bon, entre la personne qui a apparemment menacé vos employés et celle qui vous a invité à vous joindre à la course, il y a quand même une différence. Ouais, allô? Moshé. Ouais, ça va quoi? Ouais, dans 5 minutes, t'es dispo? Ouais, je suis dispo dans 5 minutes, ouais. Ok, bah dans 5 minutes, rends-toi pas loin du Crucial Fix, d'accord?
Vas-y, vas-y, ça marche, on fait comme ça. Je pense que tu dois bien connaître. Ouais, ouais, je connais bien, ouais, ouais, ouais. Ok, dans 5 minutes, on crucifix, tu vois, c'est un spectacle. Vas-y, ça marche, ça marche. Prépare les 20 000. Ouais, ça marche, pas de soucis, ouais. Bon, bah, c'est bon, messieurs, pas de soucis. Hein. Parfait. On y quitte. Parfait, parfait. Ok, ça marche. Bah, écoutez, on va pas vous déranger plus longtemps. Ouais, pas de soucis. On va y aller. Ouais, pas de soucis. Dimanche. Ça marche, bon courage. Merci, vous aussi. Ils vont se faire défoncer leur restaurant. En fait, ils assument pas, tu vois. C'est ça qui me casse les couilles. Ils assument pas que c'est eux, en fait, qui ont commandité, en fait, l'attaque du Burger Shot et tout, tu vois. C'est une mafia, ils sont censés me faire peur, tu vois. Moi aussi. Je suis actuellement en place devant le Crystal Fix. Ok, on va démarrer maintenant de notre quartier, on arrive. Ok, super. À tout de suite. Vas-y. Ah ouais, ils vont voir flou, hein. Voilà. C'est ça qu'on veut, Roya. T'es là, ils partent. Voilà, ils ont quitté les lieux. Ils prennent en photo et tout. Voilà, c'est ça qu'on veut, Roya. La vengeance est un plat qui se mange cru. Parce que c'est des sushis, parce que c'est des japonais, toi. T'es là, ils rentrent dans les voitures, ils sortent, ils regardent. Voilà, ils regardent. Voilà, ils ont regardé. Ils sont en train de regarder le restaurant se faire défoncer. Et ils font rien. Ah ouais, ça tabasse, ok. T'es mal, la police. Ah, les flics. Ok, en fait, ils ont... Ah, c'est la mafia qui a prévenu les flics. Starfallah. Starfallah. Ils ont prévenu les flics, les gars. Mais wesh. Mais wesh. Vas-y, merci les japonais, c'est cool. T'es mal, ça klaxonne et tout. Et ils se font pas respecter, ça me fume. Ouais, allô. Monsieur, monsieur. Ah ouais, les sushis, c'était pas frais, Roya. Ah ouais, vous avez vrai. J'espère que t'as apprécié le spectacle. Ouais, ouais, c'était stylé, c'était stylé. Mais attends, je vais te dire un truc, hein. Dis-moi. Il y a... Tu sais, quand il m'a appelé pour me dire de mettre en place. Ouais. Ils étaient dans mon bureau, tu sais, au Burger Shot. Qui ça? Bah, les mecs, Kamastra. Ah ouais. Ah ouais. Je leur ai dit, bon, je leur ai dit une dernière fois, est-ce que vous avez vraiment menacé Hamid et tout, un de mes employés? Ils m'ont dit non. Je fais ok, d'accord. Ok. J'ai essayé de leur tirer les verres du nez, tu vois, mais ils ont rien lâché. Ok, ok. Ouais, pourquoi tu fais affaire avec des mecs bizarres comme ça là? Écoute, moi je t'ai dit, il y a juste l'argent qui m'intéresse, tu comprends? Ouais, donc ouais, à partir du moment où quelqu'un pose de l'argent sur la table, il y a pas mal de choses que je serais prêt à faire, tu vois. Ouais, mais bon, et t'as vu un petit peu la dégaine des mecs, ils ont appelé la police. Ouais. Je sais pas si tu te rends compte, hein. Je sais pas si on est quand même à côté du poste, tu sais. Peut-être que c'était une simple patrouille qui passait par là. Non, je les ai vus, ils étaient comme des poissons hors de l'eau, ils couraient dans tous les sens, ils sont rentrés dans la voiture, ils sont ressortis, ils ont pris des photos, ils ont appelé la police, laisse tomber, oh là là. Bref, ça, c'est la mafia, ça? Bah putain. Ah, bah, j'en sais rien, mais bon, c'est à toi de me dire, ça veut dire. Ah bah mon vieux. Bah si tu t'y connais bien, qu'est-ce que t'attends pour faire changer les choses? De quoi? Tu veux que je fasse une mafia marocaine, moi? Ouais, fais une mafia marocaine, mais montre-nous justement comment ça fonctionne. Tu viens dans mon projet, tu wipes? Non. Non, qu'est-ce que tu racontes? Attends, tu parles chinois là? Moi, ouais, japonais, je suis japonais, c'est bien. Ah, moi, je suis japonais. Roya, je t'envoie une position avec l'argent, d'accord? Vas-y, à tout de suite. Vas-y, à tout de suite. Et je vais les faire chier. Voilà, je crois que je vais les faire chier de fou. T'es pas où est-ce que je vais leur dire de venir. Les gars, franchement, vous pouvez tout dire, hein. Mais dire, Zerma, que je fais du HRP, ou j'utilise Zerma des commandes admin pour faire un truc de ouf, ça, par contre, je suis pas d'accord, vraiment. Il y a des choses qu'on peut dire, et des choses sur lesquelles on peut rigoler. Il y a des choses, Roya, je suis intransigeant, tu vois. Intransigeant, Roya. C'est parti pour faire chier tout le monde. Monsieur, monsieur. Ouais, je t'ai envoyé la pause. Ouais, je sais, j'ai reçu, je vais arriver, t'inquiète. Vas-y, vas-y. J'ai vraiment pris la pause qui t'a rangé le plus. Ah ouais? Oh ouais. Je vais vérifier ça tout de suite, d'accord? Vas-y, vérifie, vas-y, je t'attends. Ouais, allô? Tu t'es fou de ma gueule, là. Pas du tout. Pourquoi tu m'envoies une pause à l'autre bout de la ville? Ouais, on est jamais trop prudent, Roya. T'étais censé être à côté du restaurant ou t'étais où? Roya, j'ai des drones, j'ai mal partout, Roya. Et quoi, c'est un message pour dire rentrer chez vous, là, le petit aéroport, ou c'est comment? Non, pas du tout, parce que c'est tranquille, Roya, c'est tranquille. Ok, bah vas-y. En plus, c'est mon aérodrome, donc t'inquiète, on est tranquille. Bah écoute, tu me feras une petite démonstration alors de ce que tu possèdes. Faut avec le plus grand des plaisirs. Bah tu sais, bah écoute, on arrive dans 5 minutes. Ah wesh! Wesh! Zerma, je les attends comme ça! Ah, ils vont clair, Roya, ils vont avoir peur! Oh. Ouais, ça c'est du bon boulot, les mecs. Ça c'est du bon boulot, les mecs. Dis-moi, c'est toi le producteur de Fast and Furious, c'est comment? C'est ouais, je voulais faire Tokyo Drift pour la petite blague. Ah. Eh, franchement, c'était du bon boulot, hein. Eh, j'ai kiffé, hein. Et avec moi, j'ai l'argent dans la voiture, j'arrive. Oh, oh, oh. Les chaussures, par contre. Hein? Les chaussures. Faut enlever les chaussures. T'es sérieux là? Wesh, Akuma, enlève les chaussures, wesh. Le respect, quand même. Wesh, t'abuses. Ok, ça te fait plaisir.
Je le respecte des japonais quand même. Voilà. Ah ouais, des beaux pieds sa mère. Allez, viens, clairement, il va la ramener au Japon. Alors, c'était une mission facile pour toi? Ouais. Alors pourquoi tu stresses encore? Stressé de quoi? Bon là, je te sens un peu, t'es fébrile et tout. T'as pris des cheveux blancs et tout. Eh, t'as quel âge toi? J'ai 21 ans. Bah, j'étais mon petit en fait. T'es sérieux là? Bah écoute, tes amis disent que c'était plus âgé que toi. J'avoue, mais on dirait pas que t'as. Mais il va être dégoûté. Mais quoi? Tiens! Comme prévu. Arigato. Roya, je t'ai dit combien de fois je dis c'est pas des gâteaux, Roya, c'est des bières, Roya, je sais que t'as du mal, mais tranquille. C'est la même chose, non? Ouais, eh, hey, dis-moi, t'aurais pas des meufs célibataires dans ton groupe là? Pose leur question directement. Vas-y. Il y en a une qui est intéressée par des gens qui ont de l'argent, donc. Mais j'ai pas d'argent, mon Roya. Ouais, bah avec ce que tu veux te montrer là, c'est à toi l'avion? Ouais, c'est à moi, Roya. Ça, c'est un vestige de mon tonton. Ah bah, ouais. L'héritage est présent. Akuma m'a demandé. De vous poser une seule question. Je voudrais savoir s'il y a des meufs michto ici. Ah, c'est à toi, Approche. Bonsoir, bonsoir, madame. Sortez. Approche, à toi, Approche. Sortez. Sato, elle s'appelle. Non, il y en a voilà, trois ici. Salto, ouais. Oh, hi, monsieur. Bonjour, Sato. C'est ton dernier rumeur. Viens, viens, on va en parler deux minutes. À ce qui paraît. Botou, tu dois y aller. Viens avec 100 000 minimum. Écoute. Ouais, je t'inquiète, je vais pas te manger, je viens de manger. Ça va, Sato? Ouais, je t'inquiète, t'inquiète, on va pas voler, ouais, je t'inquiète. Oh, garde-la, garde-la avec moi. Bon alors, t'es une michto, c'est ça? Non, t'es pas vrai, meuteux, mais vous m'avez demandé de venir, alors de vous d'écoute. Ouais, je cherche une meuf. D'accord. Et tout, je suis célibataire. Eh, je suis pété thune, laisse tomber. C'est à vous, t'es andin? T'es gros andin? Ouais, c'est à moi, c'est à mon oncle et tout. Ah hey, bon? Pour combien tu danses là maintenant, T-Suite? Oh bah non, mais t'es pas comme ta. Non, mais regarde, juste. Avoir une mauvaise réputation. Non, juste un petit pas dedans, je te jure, juste comme ça, regarde, juste comme ça. Allez, un petit pas de danse. Juste un petit pas de danse, juste un petit pas de danse. Ok, comme t'as alors. Chinois de la caille. Un peu chinois de la caille. Chinois de la caille. Chinois de la caille. Eh non, mais t'es japonais, attention. Japonais de la caille. Et du coup, t'es. Japonais de la caille. Ouais. Du coup, ouais. Célibataire alors? Bah oui, monsieur. Bah vas-y, passe ton numéro, wesh, tranquille, on fait connaissance. Vous êtes sûr, monsieur? Ben oui, wesh, tranquille. Mais de t'es pas de mytho, monsieur. T'inquiète, donne. Ok, mon numéro, t'es 74. T'appelles comment? M'appelle Salto. Vas-y, Salto, nickel. Ouais, Salto arrière, et de t'es Instagrammeux. Voilà, vas-y, tu. Ah ouais? Eh, attendez, monsieur. Ouais. Vous pouvez me vanter par rapport à mon bot. Vous pouvez dire, waouh, ouais, elle est vraiment. Vas-y, c'est vraiment ça la vas-y, meilleure, viens. Elle est incroyable. Vas-y, ouais, merci, monsieur. Parle doucement. Ok. Vous dites, oh là là, t'es vraiment la meilleure de ce groupe. Vas-y, on fait comme ça. Vas-y. Ouais, merci, monsieur. Vous revaudrez pas. Attends, j'ai pas donné encore des restaurants. Attends, vous voulez que des recatés, des restaurants, si vous voulez. Eh, mais dites pas qu'il t'est passé quelque chose de bizarre. Attends, t'as quelqu'un d'autre. Pas ce que vous croyez, boss. T'es pas ce que vous croyez. Ne pas être kiffé, la douleur va être pire. J'arrive. Viens ici. Non. Botou, non. Sato, viens ici tout de suite. Pourquoi c'est ta meuf? Attendez. Non, Botou, c'est pas ma meuf. Attendez. T'es pas ce que vous croyez. Pourquoi il t'a pris dans ses bras? De voteurs, je lui ai dit que d'être habillé, des dames et des grues, des rien de tout, des patitas. Ouais. Tranquille, je l'ai payé, c'est normal, tranquille. Il t'est rien passé. Vas-y, on se tient au courant alors pour d'autres trucs comme ça, fracassage et tout, j'aime bien. Mais pas de soucis, t'as mon numéro, d'accord? Ouais, ça marche. Bah, du coup, j'ai le numéro de Sato aussi, du coup, je passe par elle directement, non? Non, tu passes par moi, et uniquement moi, d'accord? D'accord, elle, c'est le soir, elle m'a dit entre minuit et 2h, j'ai pas compris, mais tranquille, vas-y. Ça, tu vois, avec elle, mais t'inquiète, tu vas avoir une petite discussion avec elle là tout de suite. Vas-y, ça marche. Bah, vas-y, alors, force à vous, les japonais. Ouais, bientôt. Salut, bah, sayonara. Voilà, toi, t'es habillé en pyjama, ma meuf, t'es éclaté, sa mère. Toi, là, t'es le maillon faible. Mais bon voyage, Moi aussi je t'ai nique. Bon voyage. Allez, dégage, va faire tes papiers, son papier, va. Va comme on dit chinois, là. Putain, tu dois l'apprendre de la taille. Tu cherches pas un homme. Vas-y, donne ton numéro. Ma mère, t'es un avion. C'est la même. 29, 41, 30, 27. 29, 41 41, ouais. 30, 27. Tu peux m'appeler bébé, nique sa mère, appelle-moi quand tu veux. C'est ouf lui. Il m'a dit t'as un avion, wesh, nique sa mère, je m'en bats les couilles. Voilà. Wesh, ma voiture. Ah les bâtards, ils sont partis avec ma voiture, je crois. Allez hop, tu bouges pas. Quoi, pourquoi? T'as fait quoi ma voiture? T'es pas moi, C'est quoi ton nom? T'es Nanki. Nanki quoi? Eh, coupe ta radio. Ok. T'es Nanki Kong. Arrête, qui t'a dit de rouler, wesh?
Qui t'a dit de rouler? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? De rien fait. Pourquoi déjà, pourquoi t'es en ballerine déjà? C'est pratique de besoin de traîner du sol. Ça pue sa mère, je te jure. Bah justement, c'est pour évanouir mes ennemis. Ah bah oui, bien, bien, bien. Eh, dis-moi, ouais. Entre une, ouais. Sato, ouais. C'est une fille bien ou pas? T'es une fille trop bien, ouais. Vas-y, vas-y, redépose-moi en ville, s'il te plaît. Ok. Tu peux... C'est 1000 dollars pour toi, ça va? Eh, je vais te trancher la gorge, toi. Pourquoi? Comment ça? Pourquoi, wesh, 1000 dollars pour moi? T'as niqué ma voiture, tu veux 1000 dollars? Vous avez niqué mon restaurant ou vous avez pris 40 000? Faut que je sois un t'es pigeon. T'es millionnaire, t'as même pas fait pas un dégradé convenable. Je suis le neveu de Pablito Janes, c'est tout. Pablito de quoi? Eh, dis-moi. Pourquoi t'es habillé comme une clocharde? Ah, habillé comme une clocharde, je suis habillé kawaii. Kawaii? Quel legging, oui, hentai. T'as habillé khra, ouais? Quel kawaii? Ça veut dire quoi ça, kawaii? Ça veut dire trop mignonne. Ah ouais, oh bah putain, Eh, laisse-moi conduire. Ok, mais tu voles pas ma moto, t'es tout pour moi. Vous allez faire quoi ce soir là? Tu crois qu'on t'a pété des beaux caisses? Hein? Vous allez quoi? Enfin quoi? Des beaux caisses? C'est quoi ça? Ah, t'es un gang. Ah, les brokers! Ouais. Ouais, je les connais bien. Non, je connais pas. Ouais, bien sûr, je les connais. Petite frappe, hein, clairement. Bien sûr, je les connais. Ah, fais gaffe, par contre, ils ont des calaches et tout. Hein. Oh, dur. Ouais. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous allez les taper comme ça? Bah, tu sais, des questions de terrain et de fierté et de toi, tu sais pas, et trop d'histoires. Ouais, en fait, ouais, vous avez rien à faire quoi. Trop c'est dommage, quoi. Ouais. Non, d'habitude, nous avons tapé, tu connais. Ah ouais, vous êtes payé? Bah non, c'est pour les histoires de quartier. Ah ouais, c'est chômage, vous avez rien à foutre quoi, c'est ça? Ouais. Voilà. Et pourquoi vous voulez le taper, Zerma? Ils font quoi eux? Tu demandes trop d'informations toi. Bah ouais, je travaille pour la police et alors? Ah, je suis une pouca, bah, je suis une pouki. Ah d'accord, t'es, oh, pouki, t'es parce ouais. Qu'ils vendent beaucoup trop de drogue et tout, tu vois, de pas tout. Ouais. Et pourquoi vous vendez de la drogue, vous? Ah non, tout c'est pas ça, hein. Mais moi j'ai de la coke, hein, si tu veux. Moi, je suis un fou dans ma tête, hein. Bah non, de la coke, c'est de la merde. T'as pas de l'ecstasy, plutôt? Mais de la coke, mais je mange tous les matins avec du Red Bull et du Chocopi, qu'est-ce que tu me racontes, wesh? De l'ecstasy? Ah ouais, l'ecstasy. Moi, je peux t'en trouver, hein. Eh, où ça? Ah, bah tu vois, tu poses trop de questions. Tu travailles pour les flics, toi, c'est sûr. Mais non, mais je suis intéressé. C'est ma tante qui doit se soigner à l'extasie. C'est traitement médical. Elle doit se soigner à l'extasie? Oh putain, ça sent mauvais pour toi. Regarde. Oh l'ambulance. Quoi? Oh, vous êtes mort. Oh, je crois qu'ils sont tous morts. C'est le quotidien, ça. Arigato. Merci beaucoup. Mais tu ne veux pas te déposer en ville, toi? Amada, bah, bientôt. Ah, vous te faites foutre. Allô? Voilà, Squid Game, il est passé, on t'a plus vu. Oh. Qu'est-ce que tu me racontes? J'étais là hier. Voilà, tu te fous de ma gueule. Avant-hier, j'étais là, t'es bête ou quoi? Ah, avant-hier, ouais, c'est ça. Bah oui, j'étais là, même. Quand on a acheté l'appartement. Oui, t'es venu à 23h? Oui, t'es venu à 23h30, tu me rappelles. Ouais, le hamilage, hein. Il casse les couilles. T'es où? Ça va, rien. Je vais vers le QG, t'es où toi? Quel QG, wesh? Ah oui, parce que nous on a un QG où on fait des trucs halal. Ah oui, avec vos cartons et tout. D'accord. super le QG. T'es où? Roya, je te cache pas, là je suis au Burger Shot, j'ai envie de faire un ruin of Denia. Mais moi tu sais là je voulais faire quoi? Je voulais prendre que des randoms et me faire une flika de mecs que je connais pas. Mais non, Roya. Là j'étais avec les japonais. Pourquoi t'as envie de faire un ruin, y'a quoi? Écoute, j'ai payé les japonais pour qu'ils défoncent le restaurant du Crystal Fix. Ils ont défoncé leur restaurant. Sahab la mafia, ils sont sortis, ils ont regardé, ils ont appelé la police, Roya. Les Kamasutra, ils les ont pas soulevés, genre. Non, ils ont regardé, Roya, là ils ont regardé. Je te jure, je comprends pas, là je comprends pas. Roya, à ton avis, c'est toi qui revendiques. Viens, on crée une mafia. Vas-y, la mafia marocaine, Roya. Oh, incroyable. Vas-y, c'est bon, ça part de là. C'est bon. Vas-y, ça part de là. Vas-y, Roya. Mafia marocaine, notre restaurant c'est le Burger King. Voilà. Burger Shot. Cœur Shot. Tu connais, tu connais Tazij ou pas? Quoi? Tazij, le restaurant Tazij. Hein, c'est quoi? C'est l'équivalent Roya, du KFC, mais version halal 2.0. Tazij. Ah, bon? Ah ouais, Tazij, Roya, c'est connu, hein, au Moyen-Orient. Ah, je ne suis pas. Moi, je connais pas, Roya. Ouais, Roya, tu sais pas, ça ton problème. Et du coup, les Japonais, ils sont pas dans la merde par rapport au fait du genre de français. Bah attends, je vais leur demander, Roya. Leur demander, Roya, tu leur dis à l'heure, ils vous ont dit quoi? Eh, t'es mal le cookie que j'ai mis, Roya. T'es mal le cookie que j'ai mis. T'es mis quoi, Roya? Génique la concu, Burger Shot, ouvert, on vous baise. C'est agressif. Hein. Alors, les gars, je vous aime, mais niveau com, les Burger Shot, ça a pas l'air. Bah vas-y, toi, vas-y, fais mieux, vas-y. Big up à vous, quand même, je vous aime. Écris, vas-y, toi, écris. Le Burger Shot sur le toit du monde, bande de Hatay, on vous baise, Tilijou. Là, Roya, s'il n'y a pas tous les clients qui viennent... J'ai bugué sur le toit du... Oh là, j'ai bugué. C'était surprenant, Roya. Si ils viennent pas tous les jours, je comprends pas. Hein. Là, c'est... Roya, t'as une voiture? Voilà.
Bah non, j'allais en prendre une autre justement. Putain, t'es bête. Regarde, va prendre ton service, on va vendre des burgers avec le camion. Vas-y. Technique agressive. Ouais, c'est bon, tu peux y aller. Vas-y, carré. Vas-y, Curtis, le meilleur employé. Vas-y, Curtis. Puceau, il est puceau. Sérieux? Voilà, il est puceau, rien. Moi aussi. Roya, t'as Hayat, t'as 5 gosses, qu'est-ce que tu me racontes, Roya? Qu'est-ce que tu me racontes? Ils sont pas à moi. Tu vois, ça ton problème, Roya. Bah, tranquille. J'ai le numéro d'une meuf, une japonaise, Roya. Une japonaise, vas-y, on va, Roya. T'es malade, toi, j'ai galéré des fous, Roya. J'ai dû sortir un avion pour avoir son numéro. Oh, t'es malade, t'es une japonaise, Zama. Ouais, et alors? Y'a que Kefta qui a pas les meilleurs plans de la ville, Zama, c'est ça. Eh, Roya, on va vendre où? Tu connais un quartier chaud ou pas? Roya, moi j'ai manque de respect, on vend devant chez les machins chouchettes. Oh, t'es un génie. Wow, c'est bien ou pas? Il va voir les nerfs. Ah, il va voir les nerfs des fous. Et ça, j'adore. Vas-y, accroche-toi, Roya, pour le dérapage. Vas-y, tranquille, vas-y. Voilà. Hop là, je gère. Ouais, j'ai vu. Oh là, j'ai t'as vu ou pas? T'as vu ou pas? Mais je crois que le restaurant, il a fermé, je crois. Mais attends. Pourquoi? Mais tu sais que. Bah, parce qu'il était tabassé, Roya. Après, en vérité, s'ils font des flicas, ils ont qu'à nous appeler. Hein. On se pose devant la flica et tout. Hein. Mais c'est vrai? Ben oui, Roya. T'es un génie sur ce coup-là, tu vois, là tout à l'heure. Attends, t'as génie. T'attends qu'il y a une voiture qui sort, tu la suis. Je me mets là. Pourquoi là? Pour faire chier mon monde, quoi. Vas-y, Roya, viens. Je crois qu'ils s'en foutent, hein. Non, mais là, ils s'en foutent, mais après, ils vont pas s'en foutre, Roya, moi je te le dis. Hein. Bismillah. Alors, monsieur, vous voulez manger quoi? Sérieux? Tu veux manger quoi, Roya? S'il vous plaît, il me faudra un burger et une boisson froide, s'il vous plaît. Vas-y, Roya, avec le plus grand des plaisirs. C'est parti, on va faire ça. Hein. Est-ce que c'est halal qu'on est par hasard? Bien sûr, c'est halal. Ah, d'accord. Bien sûr, c'est halal. On est d'accord que c'est le seul restaurant halal de tout le Santos, quand ben même. Oui, évidemment. Eh ben, justement, j'étais en train de vous appeler. Non, monsieur, on peut vous aider. Oh. Vous avez une petite faim? Si vous avez une petite faim, on est disponible et tout. On voulait boire quelque chose, on est là. Ah, bon, on va chercher quelque chose, on arrive. Ah, bah, super. Ils sont pas débouger de là. Oh, quoi. Ils sont on est quand même devant le port. Le mec, il a dit attends, on arrive. Les mecs, elle a dit vas-y, t'inquiète, on arrive, regarde. Bagmatier, comment je peux vous aider? Premièrement, est-ce que vous pouvez me vite burger, s'il vous plaît? Parce que là, vous bouquez notre aile à sortir. Ah là, c'est mort là. Là, il faut. Non, en fait, là, moi, je vous explique, messieurs. Moi, je vous explique. J'ai appelé le capitaine de police et il m'a dit que l'emplacement là était disponible. J'ai payé 2 000 $ la soirée. Alors, croyez pas que j'ai bougé mon camion. Ah, attention, je vais péter ah, bon, un câble. Le capitaine. Le Capitaine. Écoutez, je suis lieutenant, je vais voir ça tout de suite. Ouais, bien sûr, avec le plus grand. Allez-y. Parce qu'en fait, le problème, c'est que. On est en pleine exposition. Mais en attendant, trucs, vous voulez manger quoi? Moi, mettez-moi un petit menu fiché. Menu fiche, ok. C'est parti. Big burger, s'il vous plaît. Ok, menu fiche, menu big burger. Big burger. Vas-y, Roya, fais. Voilà. Quelle sauce, vous voulez quelle sauce? Vous avez quoi comme sauce? Oh, c'est amer. Oh, il fait froid ici. Hein. Bah, on a toutes les sauces. Vous demandez la sauce que vous voulez. Mettez-moi samouraï. Sauce samouraï marocaine. Vas-y, donne le sandwich, Voilà. Kefta, donne. Voilà. Voilà, nickel, c'est bon, c'est parfait. Voilà, ça fait plaisir. Voilà. Wesh, Ben Barek, ça va ou quoi? Ah, Ben Barek, ça fait plaisir. Ça va, monsieur. Et bonsoir. On bloque un peu la sortie du poste, un peu, non? Écoutez, j'ai appelé. Oui, pardon. J'ai le capitaine, il m'a dit qu'il a rien entendu. Du coup, vous allez mettre votre camion juste là-bas. Mais non, j'ai pas dit le capitaine, j'ai dit le chief. C'est le chief que j'ai contacté, monsieur. On a dit le chief, hein. Ouais. Monsieur, vous voulez manger quoi, monsieur? C'est gratuit, on vous offre. C'est un menu totalement big burger, gratuit, s'il vous plaît. Allez, c'est parti. Ouais, et pour monsieur plaisir. Un menu fiche sans fiche, s'il vous plaît. Ouais, parce que j'aime pas le poisson. Du pain, donne-lui du pain, Roya. Donne-lui du pain. Voilà. Non, je veux mes légumes, ma petite sauce, s'il vous plaît. Mets du pain, des légumes et de la sauce. Allez, les légumes. Quelle sauce? Sauce tartare. Donne, comme ça, donne. Voilà, tiens. Voilà, c'est bien. Qu'est-ce que c'est que ce. C'est une nouvelle sauce, vous inquiétez pas, c'est tout nouveau, ça vient de sortir. C'est tout neuf. Ça sort de là. On va appeler. Non mais les gars, au bout d'un moment, nous on essaie de satisfaire le client au maximum. Messieurs, nous sommes des repris de justice, on essaie de s'en sortir comme on peut. Voilà, on a pas un petit peu de présent, pas beaucoup. Il y a juste à faire enlever le poisson, quoi. Enfin, vraiment, il y a pas besoin de faire tout ça, vous savez. Bah, c'est ce qu'on a fait. Toi, tu fais chier ton monde, quoi. Un menu fiche sans fiche, quoi. C'est grave. J'aime pas le poisson, j'y peux rien. Bah, prends autre chose. Bah, demande un menu. Ça va depuis la fête foraine. Allez, hop, tu te lèves. Oh putain. Allez, hop, c'est réglé, voilà. Vous relâchez Hamid et on relâche Ben Barek. Ça fait beaucoup là, non? Ah ouais. Oh, j'ai mal à la tête. Bah ouais.
Parce qu'on fait jamais les végétariens. Ah putain. On fait jamais les végétariens, on met que un steak. Non, t'inquiète, je vais aller donner des médicaments, attends. Qu'est-ce qu'il y a, Roya? Non, je vais aller donner des médicaments, il est mal à la tête. Je fais un petit malaise, Roya. On va lui donner du sucre. Là. Je l'avais pris en otage. C'est pas facile, la vie de bohème qu'on est en train de mener. Il va aller manger du sucre, lui. C'est bon, je me rappelle, Ben Barek, je m'en rappelle. T'en rappelles? Ouais, je suis désolé, Roya. T'es sûr? T'es sûr que t'es désolé là? Je te jure, je suis désolé, Roya. Écoute, de base ça devait pas se passer comme ça. Mais t'es sûr? Ton pote il a chopé Hamid, et la vérité, Hamid en ce moment il va pas bien, j'étais obligé de le défendre là. Mais je t'aime bien, Hamid. Moi! Mais je t'aime bien. Fais le malin, je porte plainte qu'une fois tu m'as aveuglé avec ta grenade flash. C'est pas vrai, j'étais pas en service d'abord. Ah ouais? Ouais. On va demander au lieutenant. Bah on va demander au lieutenant. Voilà. Non, c'est bon, vous inquiétez pas, en plus je viens d'être promu donc. Ça va aller. Sergent chef. Hein? Ouais. Sergent chef. Ouais. Mustafa Ben Barek de Tiznit. RPZ. Eh bah mon vieux. Franchement, Psartek. Franchement, c'est bien. Et toi, t'es devenu quoi? Moi, je suis toujours une merde. Hein. Je suis pas assez motivé, apparemment. Du coup, parfait. Bah, continue. Que je sois la mesure sur 7 dans le futur, je pense. Ça me rappelle mon conseil de classe. Je vais vous donner une chance de vous rattraper, d'accord? Ouais. Vas-y. Parce que moi, j'ai fait la fête foraine. Ouais. C'est cadeau. Ouais. Oh, c'est quoi ces signes? Non, c'est rien. Vous inquiétez pas, c'est. Oh, c'est quand? Demain. Quelle heure? Je check mon horaire, mais a priori, ce serait 20h. Vas-y, ça marche. On se capte demain alors. A demain, monsieur. Ah, pas vrai, Khanez, on avait sa meuf à la plage avec Rachid. Oh là là, ce qu'elle faisait à Rachid. Oh, elle lui a fait la technique de la sauterelle, l'hélicoptère, laisse tomber. Eh, ta meuf, c'est Léna, ta meuf. Femme, on est d'accord. Ouais, c'est ça. Laisse tomber. Tu sais que dans la fête foraine, c'est elle qui a remplacé Grand 8, tellement elle tourne. T'es au courant, ça ou pas? Une dinguerie, hein. Et une dinguerie, une coquine, laisse tomber, hein. Oui. Oh putain, heureusement j'avais un sac. Arrête. Heureusement j'avais un sac. Starfona, vous avez fait quoi? Rien, on est sorti du parking. Mais c'est un attentat. Voilà, vous êtes mort. Eh, j'appelle la police, vous êtes mort, je vais porter plainte. Appelez vite les speedy là. Ben Barek, voilà, t'es mort. Oh, t'es mort. Appelez central, appelez central. Bonsoir madame, nous sommes actuellement au commissariat et des policiers ont effectué un attentat. Ah, des policiers ont effectué un attentat. Oui, ils ont foncé dans mon camion, il y avait une bonbonne de gaz, tout a explosé sa mère. Voilà. Vous avez actuellement 3 personnes dans le coma et une actuellement dans le goulag. Ok, ouais, bon bah je vais essayer d'envoyer quelqu'un parce que là. Parce que là c'est deux policiers qui sont à terre, madame. Je dis ça, voilà. Dites ça ou dites rien. Ok, ça marche. Allez, ça marche. Merci beaucoup, madame. Allez, au revoir. Merci, au revoir. Putain. Ouah, Ben Barek, t'es trop fort. Double kill, Allah. Ah ouais, Kefta, vous s'en battez les couilles. Ça va aller, monsieur. Bah là, c'est de la Kefta cuite, du coup. Hein. Ah bah là, c'est du michoui, là. Ils sont brûlés. Ouais, t'inquiète. T'auras des hassanettes, Roya, tu vas aller au paradis. Eh, le camion il est intact. C'est bizarre. Ah ouais. On va arrêter. Allez, c'est reparti. Voilà. Deuxième round. Alors, allez, Ben Barek. Je fais rien là-dessus. Hein. D'abord, je touche même pas. Est-ce que je peux avoir mon menu s'il vous plaît, monsieur l'orange? Roya, il y a tout le monde à terre, toi tu fais ton menu. Bah ouais. Stop, Wallah, t'es un psychopathe, toi. Kefta, t'as activé le sahar ou quoi, Roya? Aïe, aïe, pas moi, je te jure, j'ai rien à voir dès que t'es avec toi, il m'arrive des dingueries, Roya. La dernière fois, c'était un braquage, c'était il y a 2 jours, ils nous ont pas attrapés. Ah, putain. Ah bon? Ah, non, mais non, mais il est dans le tight choc, il sait pas ce qu'il raconte. Ah, putain. Yeah, mais on n'avait pas la plaque d'un véhicule par contre dans le mode de Kefta. C'est des tas de choses, mais non, il a même pas de voiture, il a que des quads. Et la porte à Hamid, c'était la manque du Nord. Ah putain. Tu pas long, c'était trop. Ça va là, en fait? Ouais, heureusement qu'il y avait les policiers à côté, ils t'ont protégé un petit peu. Ah ouais, heureusement. Vous avez mal à combien, monsieur? Bah les policiers, ils étaient là, du coup, 0. Oh non, putain, heureusement qu'ils étaient là les policiers. Ah ouais, franchement, ils ont grave géré. Hein. Là, ils ont géré de faux. Là, Ben Barek, là, ça reste entre nous, Ben Barek. Y'a Timon Dwayne, Ouais, vous savez. Et lieutenant, il est où? Bon, je vous fais une petite fête. Il est parti où, lieutenant? Je crois qu'il est parti virer, Roya. Je sais pas. Il est parti remplir les papiers. C'est sûr, il est parti de virer. On fait 200 balles en 20 minutes. Mais non, mais fallait même pas lui foutre. Oh putain, le pauvre. Non, mais tranquille, attendez. Donc il se mange un attentat et en plus il paye. Combien? Et bah, 350, il m'a facturé. 425. Combien tu l'as facturé? Espèce de menteur. Non, mais non, c'est parce que. T'as quand même essayé de le tuer, Roya, je dis ça, je dis rien. Non, mais c'est à cause des lunettes, c'est pour ça en fait. Allez, t'es là, Roya. Mon menu? Ouais, passez au Burger Shot, vous inquiétez pas, ils sont là. C'est un fou, lui, il a voulu nous buter, il dit nos menus. C'est grave, il a voulu nous tuer, il dit les gars, il est où mon menu? Mais il est malade, lui! C'est pas possible de réfléchir comme ça dans un monde aussi. On va aller au hood. C'est quel hood? Lequel?
Je sais pas, n'importe lequel, frère. Tu connais Hood? Vas-y. Ouais, je connais un Hood. Ah, ça va?